Un an s'était écoulé depuis que Mahok, le wapiti femelle, avait donné naissance à Sarah. Entre-temps, Sox, le puma, et toutes les autres créatures de la prairie et des montagnes rocheuses avaient affronté un hiver impitoyable. Wamit et Inap, le couple de loups, Abizi, le coyote, chacun s'était battu contre le froid avec ses propres armes. Stowami, le serpent à sonnette, avait passé l'hiver dans un état de profond engourdissement. Enfin, un nouveau printemps était venu et Kelawa, le cerf de Virginie, avait donné la vie à Ikoa Nenitsimi. Dans la tanière d'Inap la Louve, deux louveteaux nommés Ya et Lasti ouvraient pour la première fois les yeux sur le monde. Un air généralement froid et sec, des précipitations peu abondantes, des hivers terribles et des étés courts, des automnes aux splendeurs baroques, des printemps tardifs. Ainsi peut se résumer le cycle des saisons dans la région des montagnes rocheuses et de la grande prairie. Si longtemps différé par les duretés de l'hiver, les printemps ressemblent à une époque d'exubérance. Dans une butée de terre meuble, Inap la Louve a creusé une tanière où elle a mis au monde, voici 15 jours, une portée de deux louveteaux, Ya et Lasti. Ils atteignent aujourd'hui l'âge de la première sortie, de la première expédition vers les extravagances du monde. Inertes et aveugles, les petits aventuriers se montrent déjà téméraires. Mais leurs forces ne leur permettent pas encore de se lancer dans des aventures au long cours. Pendant les premières semaines de leur vie, leur mère, parfois sans qu'ils s'en rendent compte, ne s'éloigne jamais d'eux et les surveille de loin. S'ils faisaient partie d'une meute plus nombreuse, c'est parfois une autre femelle faisant office de nurse qui montrait la garde. Quelques minutes de promenade, il n'en faut pas davantage pour s'épuiser. Alors Yaa et Lasti retournent vers le nid de terre qu'a gardé tiède leur propre chaleur, qui s'y conserve si bien. Dans la grande prairie où séjournent les bisons, une femelle se prépare à donner la vie. 40 kilos d'os, de sang et de souffle à expulser. 40 kilos de chair à ajouter à la chair du monde. 40 kilos de souffrance et de plénitude.
le jeune bison est né. Plus loin, une autre femelle a manqué de force. La vie l'a quittée, au moment même où elle allait la transmettre. La mère, parfois aidée d'une de ses congénères, ingurgitera le placenta, puis, comme le veut l'instinct, léchera et stimulera son veau jusqu'à ce que celui-ci se dresse, à chaque effort plus solide sur ses jambes inexpérimentées. Sur la prairie où marchera le bison nouveau-né, on dit qu'une voix se mêle, parfois au vent, qui dit ainsi qu'aux origines. Regardez en haut et en bas, la nation bison s'avance. Je vous donne cette terre magnifique sur laquelle vous vivrez et vous multiplierez. Vous marcherez en équilibre sur cette terre. Regardez en haut et en bas, la nation bison s'avance. Une corneille qui ne se doute pas du guépier dans lequel elle s'est égarée s'est perchée au beau milieu d'un territoire dont de nombreux oiseaux plus petits qu'elle ont fait leur zone de nidification. Pour eux et pour leurs oisillons, elle représente un danger au même titre qu'un rapace ou un autre prédateur. Il faut à tout prix la déloger. S'ils coordonnent leurs efforts, les petits oiseaux peuvent y parvenir à force de cris et de coups de bec. La stratégie de harcèlement se met en place. Tous contre un. Le mot d'ordre est adopté à l'unanimité moins une voix. Mais à vrai dire, celle de la corneille ne compte guère dans le concert. Où que se déplace la corneille égarée, la meute des assaillants la pourchasse. Il en sera ainsi jusqu'à ce qu'elle ait définitivement renoncé à demeurer près des nids, où elle pourrait d'un simple coup de bec tuer autant d'oisillons qu'il lui plairait.
Kenawa, le cerf de Virginie femelle, passe l'essentiel de son temps loin de ses enfants. Elle ne revient près d'eux que par intermittence. Ce jour-là, son arrivée ne trouble guère Itsimi, endormie, tandis que sa mère offre toilette et tété à son frère, Ikohan, qui jouit peut-être ainsi du privilège d'être né le premier. Encore incertain sur ses jambes qui ont si peu servi, Itsimi espère à son tour quelque attention et s'approche, prête à quémander. Le moment semblait venu, mais Kenawa ne s'occupe guère que d'Ikohan. Itsimi n'a d'autre choix que d'en prendre son parti. Sa mère ne s'attardera guère et c'est seulement lors de sa prochaine visite qu'il aura droit aux faveurs qu'elle vient de réserver à Ikohan. En effet, les fangs sont inodores et seule l'odeur de la mer, si elle s'attardait, attirerait les prédateurs. Le reste du temps, Ikohan et Itsimi se lovent dans une cuvette d'herbe où leur pelage les fait passer pour un élément de décor que frappent quelques taches de soleil. Stowabi est un crotal diamantin de l'Ouest, l'un des serpents les plus venimeux du monde. Il appartient au genre des serpents à sonnette. Ce jour-là, Stowabi glisse comme à l'ordinaire sur les rocs et les herbes que le soleil a réchauffées. Un mulot, un lièvre ou un oiseau de taille modeste conviendrait à son appétit ordinaire, mais c'est sur un bout de rocaille où grouillent les faisans qu'il s'aventure. Ces proies-là, généralement trop grosses, sont malaisés à saisir et glissent laborieusement dans le tube digestif. Il les dédaigne, même lorsqu'elles viennent à lui sans se douter du péril. Stowabi n'aime pas qu'on vienne le chatouiller de trop près. Le jeune faisan qui s'avance en fera les frais. Stowabi a frappé d'un coup sec. Au même instant se dressaient dans sa gueule les deux grands crochets normalement repliés dans une gouttière de la mâchoire. Plantés dans la chair de la proie, ces crocs ont injecté une substance destinée à paralyser les muscles et une autre visant à empoisonner le sang. La première, un neurotoxique, bloque déjà les poumons et le cœur, tandis que la seconde, un hémotoxique, détruit les vaisseaux sanguins. Stowabi a cédé à l'instinct d'agression plus qu'il n'a répondu aux appels de son appétit. La proie est disproportionnée, mais les mâchoires du serpent, désolidarisées, laissent passer des aliments d'un très grand volume. L'absorption prendra du temps. Le crotal entend y procéder discrètement dans un creux du rocher.
Dès que se termine la période d'instabilité où ils titubent sur des jambes de guimauve, c'est-à-dire une heure ou deux après la naissance, les jeunes bisons n'ont qu'une idée en tête. S'élancer vers le monde, vers leurs semblables, vers l'inconnu. Leur mère veille avec prudence à ne pas les laisser s'aventurer près d'autres femelles qu'ils pourraient irriter. Les bisons de moins de 2 ans font partie des animaux les plus curieux et les plus joueurs de la grande prairie. Toute rencontre, toute situation inattendue leur fait dresser la queue en signe d'excitation. Le jeune bison doit affermir ses jambes. Il doit trotter, courir, galoper comme s'il devait demain traverser tout entier l'océan vert de la prairie. Il doit galoper en souvenir du temps où ils étaient 70 millions à recouvrir la plaine et à la teinter de brun. Il doit galoper comme pour échapper à tous les pumas de la création. Il doit galoper comme s'il partait déjà avec un groupe en mouvement. Le troupeau, vibrant de grognements sourds, suivrait une vieille vache expérimentée que d'autres anciennes relairaient de temps à autre. Il soulèverait d'un lieu de pâturage à l'autre la poussière de ces larges sentiers visibles du ciel, creusés par le sabot de leurs ancêtres. Pour Stowabi, absorber et digérer le jeune faisan était un défi impossible à relever. Le volatile ne sera pas mort pour rien, car rien ne se perd dans la nature sauvage. Il fera le régal de quelques rôdeurs affamés, renards, coyotes ou corbeaux. Au printemps, l'ours noir américain, aussi appelé baribal, aime fréquenter la berge des cours d'eau, des lacs ou des marais. Les petits de l'année sont nés dans la tanière au cœur de l'hiver et demeurent avec leur mère qui les allaite. Leurs aînés de l'année précédente, adolescents, sont encore joueurs et sociables. Cela ne durera pas. Adultes, ils deviendront solitaires, peu communicatifs, souvent agressifs et jaloux de leur territoire qu'ils marqueront de leur odeur et des griffures laissées sur les arbres. Trois ours bruns entament une partie de jeu. Chacun y affermira les dispositions qui ont fait de son espèce l'une des mieux adaptées à la vie en forêt. Quand il a peur, un ourson court spontanément vers l'arbre le plus proche et l'escalade par petits bonds rapides. C'est ainsi que les ours bruns apprennent à grimper. Toute une partie de leur existence se déroulera dans les arbres qui leur offriront un asile, de la nourriture, un terrain de jeu ou un poste d'observation. Le deuxième ours joue avec la nourriture qui se présente pour l'occasion sous la forme de feuillage. L'eau, enfin, est un élément dans lequel le jeu améliore les aptitudes. L'ours brun descend les arbres sans la virtuosité qu'il a déployée à les escalader. Il le fait sans grâce et à reculons. Parfois, le grimpeur arrive sans difficulté au niveau du sol, mais souvent, c'est de 4 ou 5 mètres qu'il se laisse choir.
Le jeu préféré des ours consiste cependant à lutter. Le grimpeur, par exemple, ne saurait meilleur divertissement qu'importuner, en alternance, le mangeur et le baigneur. Pendant le combat, l'ours se tient souvent debout tel un bipède, d'autant plus facilement qu'il est plantigrade, ce qui signifie qu'il marche, comme l'homme, sur la plante des pieds. C'est aussi la position dans laquelle il capte le mieux les odeurs et les bruits, l'odorat et l'ouïe compensant chez lui une vision défaillante. Les jours s'allongent. D'innombrables averses ont saturé de vert les paysages de la prairie. Des millions d'oiseaux migrateurs ont survolé vers le nord les montagnes rocheuses. Le printemps s'achève. Déjà. En début d'été, les plantes aquatiques regorgent d'éléments nutritifs et de sels minéraux. Au milieu de la rivière, un élan femelle en fait provision. Elle va les cueillir d'un coup d'incisive, en s'aidant d'une lèvre supérieure saillante, large et mobile. L'élan trouve à brouter sous l'eau d'autres avantages que la richesse des plantes. Il laisse ses odeurs filer avec le courant et se met hors d'atteinte de la plupart des prédateurs. En outre, il compense la brièveté d'un coup qui atteint mieux le sol quand le pied s'enfonce un peu dans la vase. De manière plus générale, l'élan a développé son adaptation au milieu aquatique. De longues jambes et un souffle profond, un sabot fourchu qui s'écarte pour offrir une meilleure surface d'appui. De grandes aptitudes à la nage grâce auxquelles l'animal peut franchir des distances supérieures à 20 km. Un jeune, venu au monde à la saison précédente, s'attache au pas de sa mère. Non loin de là, un mâle s'intéresse à eux. Il est jeune, ses bois commencent leur croissance annuelle. Le jeune mâle se rapproche, mais ce n'est pas l'heure du rut. L'humeur de la femelle viendra plus tard, en même temps que l'automne. D'un grognement, la femelle fait connaître sa désapprobation. Elle s'éloignera d'un pas vif, laissant dépiter le séducteur trop en avance sur le calendrier. Le changement de saison a rendu sa densité à la forêt de feuillus. Trembles, bouleaux, mélèzes et cèdres ont retrouvé leur épaisseur. Trois mois se sont écoulés depuis la naissance des jeunes loups Yaa et Lasti. Sevré comme son frère depuis la 8e semaine, Yaa dépèce avec entrain les nourritures que ses parents ne régurgitent plus devant la tanière, mais qu'ils déposent en un seul bloc.
Wamit et Inap, les parents, ne s'absentent jamais longtemps. Ils forment un couple uni pour plusieurs années, cellule de base d'une meute qui se formera par accroissement de la famille et cooptation d'individus isolés. Yaa, son repas à peine terminé, suit les pas de son père. Qui sait ? Peut-être celui-ci l'emmènera-t-il courir après quelques gibiers et apprendre les stratégies qui illustrent les grands chasseurs. Pendant ce temps, l'asti améliore sa connaissance du monde végétal et affine son odorat à la corolle des fleurs. Bien vite, son frère lui manque, il part à sa recherche. Quand les deux frères se retrouvent, c'est souvent pour jouer, activité qui constitue un apprentissage indirect de la chasse. On s'approche sans bruit, on tente une embuscade, on fait mine de s'enfuir, on se cache derrière un obstacle, puis on s'attaque à l'ennemi par surprise. Autant de tactiques qu'il ne restera plus qu'à perfectionner en groupe plus tard, quand on fera partie d'une meute. Qu'il faudra coordonner ses efforts avec ceux d'autres chasseurs et que le jeu, sanglant, sera devenu une affaire de vie ou de mort. Normalement, les chèvres des montagnes rocheuses, l'une des espèces les mieux adaptées au monde à la vie en altitude, séjournent à l'abri des prédateurs tels que le loup, le puma ou le grizzly, sur de hautes falaises abruptes, au niveau des apics, au-dessus en tout cas de la ligne où s'arrêtent les forêts. Cependant, quand vient l'été, les femelles choisissent de descendre vers les premiers contreforts des montagnes, là où se trouvent des affleurements salins qu'elles peuvent lécher, pour compléter en sels minéraux leur régime habituel. Même les jeunes de l'année qui réclament une tétée que leur mère leur refuse doivent apprendre à lécher les rochers. Sox, le puma femelle, est une jeune adulte qui s'est choisie depuis plusieurs saisons un domaine vital. Elle en marque régulièrement les frontières par des traces d'urine, des griffures à la base des arbres ou par sa propre odeur, déposée en frottant sa poitrine sur l'écorce des troncs. Les pumas femelles acceptent que certaines portions de leur territoire se superposent à celui de leurs voisins. Cependant, les pumas ne se fréquentent guère. Selon l'abondance des proies, on peut trouver 1 à 9 pumas sur une zone de 100 km². Lorsque Sox marche jusqu'aux limites extrêmes de son domaine, non loin des chutes Takako, elle y trouve un joyau d'émeraude. Un lac dont les eaux emprisonnent des particules minérales d'origine sédimentaire, lesquelles reflètent les zones bleues et vertes du spectre lumineux. Les glaciers fournissent l'eau qui alimente ce bijou. Leur moraine les empêche de s'enfuir.
Une femelle et son petit pressent le pas pour rejoindre le groupe qui les a distancés. D'un pâturage à l'autre, les troupeaux de bisons peuvent ainsi franchir de très grandes distances, courant parfois à plus de 50 km à l'heure. Au terme de leur périple, ils trouvent généralement telle ou telle espèce de plante saisonnière dont ils sont friands. Les derniers lambeaux des robes d'hiver sont tombés et les bisons ressemblent désormais à de grandes statues sombres et musculeuses. Les mâles, aux poils brillants, prennent des forces avant les combats qui les opposeront à leurs rivaux à partir de juillet. Certains affronteront cette échéance avec un poids dépassant 1000 kilos. Les bisons de prairie ne peuvent plus se déplacer sur tout un continent, comme le faisaient au XIXe siècle 70 millions d'entre eux. À cette époque vivaient là des hommes qui les considéraient comme des frères. Ces hommes ne tuaient une bête qu'en implorant son pardon, et seulement après avoir sollicité la permission du grand esprit. Ils ne le faisaient que pour se nourrir de sa chair, se vêtir de sa peau et se loger sous son cuir. Aujourd'hui, le jeune bison qui effraie les cornes d'un grand mâle, s'il lui prenait l'envie de courir jusqu'aux frontières du monde, trouverait vite des clôtures au bout de son chemin. Il est trop tard. Aucune prière ne montera plus vers le soleil couchant pour célébrer l'alliance entre le peuple des hommes et la nation bison. Chaque nuit, à Bizy, le coyote part à l'aventure, à la recherche de proies qu'il pourrait tuer ou de carcasses que des loups auraient abandonnées. Tout au long de son chemin, il décrypte les odeurs des promeneurs qui l'y ont précédé. D'un jet d'urine, il dépose une signature olfactive sur les bornes de propriété que d'autres ont posées. Plus loin, il se frotte à un arbre pour lui donner son odeur et en revendiquer la propriété. Le coyote dispose de glandes à la base de la queue et dans d'autres régions du corps qui excrètent un suintement puissamment odorant. L'animal en imprègne le sol en se roulant sur lui-même comme on plante un drapeau sur une terre conquise. Afin de rendre malaisée la tâche des prédateurs éventuels, quelques wapitis ont passé la nuit sur de petites îles au milieu d'une rivière. Ils s'y reposent encore, profitant jusqu'au dernier moment de la fraîcheur matinale. Un adolescent que sa jeunesse autorise encore à rester pendant l'été dans la troupe des femelles répète par jeu les attitudes que lui inspireront demain de plus mâles instincts.
Une partie du troupeau a déjà traversé la rivière pour rejoindre les pâturages. Les retardataires que leur jeu ont fait gambader vers l'aval avec insouciance se rendent compte qu'ils ne peuvent plus passer à gué. Le courant est trop violent. Les imprudents n'ont plus qu'à rebrousser chemin. Ils devront faire un détour et trouver un point de passage plus acceptable avant d'espérer se joindre aux leurs. Les wapitis ont toujours trouvé des gués et des passages, d'une saison à l'autre, d'une époque à l'autre. Ils ont su demeurer vivants sur un continent où ils constituent la proie la plus noble dont rêvent les grands prédateurs. Ils sont aujourd'hui plus de 70 000 à arpenter librement les immensités de cette terre, qu'on appelle Canada. La Terre nous offre parfois son passé à lire, aussi facilement que dans un livre. À l'origine, ces strates, héritées des sédiments d'un océan oublié, étaient horizontales. Soumises à des tensions, à des pressions cyclopéennes, la croûte terrestre se cassa en morceaux désordonnés qui s'empilèrent les uns sur les autres, obliques ou verticaux, formant les montagnes rocheuses, voici 120 millions d'années. Sur la ligne de crête de ce passé géologique chemine un couple de mouflons. Rien mieux que ce roc ne donne à comprendre le défi que rencontre la vie sur ce continent. Il s'agit de se battre contre la Terre. Ailleurs, les êtres vivants ont déjà fort à faire, ils doivent survivre à leurs prédateurs, mais ici, la planète elle-même est prédatrice et tue, avec des crocs et des griffes qui se nomment hiver, montagnes, torrents, gel, tempêtes, précipices, glaciers. La vie est égarée seule sur un roc qui lui fait obstacle et sur lequel, en dépit de tout, elle trouvera sa voie. Chaque matin révèle des feuilles, des branches et des herbes festonnées de givre. L'automne est là, déjà revenu. Terrible asymétrie des saisons dont le cycle ne meurt jamais. Et des vies qui s'éteignent à chaque instant. Dans une clairière se repose, broute et rumine un élan femelle et sa fille. Attiré par leur odeur, un jeune mâle s'approche.
Le séducteur s'introduit dans la clairière. Il ne cherche pas un harem, mais seulement une femelle accessible qu'il acceptera volontiers même avec sa progéniture. Mieux considérée, la situation se révèle moins simple que prévu. Un mâle est déjà là, toute palette, en peau mûre, corps et bois dressés. Avant de se reproduire, il faut prouver qu'on peut prendre la relève des puissants. C'est une règle d'airain. Ici, la jeunesse n'ouvre à l'individu aucun droit que celui rituel d'évaluer ses limites à chaque saison. Seul celui qui porte haut la couronne de l'âge et exhibe à son cou les fanons de l'expérience porte la responsabilité de faire survivre l'espèce. Les autres repassent en direction de la sortie des frontières de l'insignifiance. L'asti, que les plantes fascinaient dès les premiers jours, les a mises à son menu. Son frère Yaha, plus fidèle à ses gènes, aimerait que son frère ait des goûts plus guerriers, qu'il se laisse glisser sur la pente du jeu avec davantage d'entrain. Yaha aspire à des chasses, à des corps à corps, à des combats dignes de prédateurs féroces. Il obligera son frère à s'aguerrir avec lui. Une occasion inespérée d'y parvenir se présente soudain. Les louveteaux sont théoriquement capables de fondre sur une proie, de la maîtriser et de lui rompre les os. Mais la distance est longue entre l'idée et la pratique quand on n'a que 4 mois. Le rongeur brouille les pistes et finira par s'évader. Un jour, grâce aux leçons de leurs parents, Yaha et l'asti deviendront des loups vifs et endurants, solidaires de leur meute, capables de forcer un élan adulte de le jeter à terre et de lui dévorer les entrailles. Mais pour l'instant, le souriceau était trop fort pour eux. Au début de l'histoire, il y avait eu, sonore et claironnant, le brame de Moko, le grand wapiti mâle. Aujourd'hui, Moko laisse dans la forêt, partout où il le peut, les marques de sa puissance. Des rivaux trouveront sur son passage les branchages que ses bois auront brisés, la terre qu'ils auront remuée, les odeurs que son urine aura répandues. Mais cette année, la souveraineté de Moko ne s'est pas imposée. D'autres mâles isolés le côtoient et le défient.
Le brame de Moko est toujours le plus éclatant, mais quelque part, un autre que lui règne sur le harem qui fut le sien, jadis, quand d'autres automnes enflammaient la forêt. Sur ce continent, les grands cycles qui régissent la vie prennent une tournure implacable. La dureté et le contraste des saisons les fait paraître plus automatiques, plus inexorables qu'ailleurs. En quelques semaines, comme un fleuve que grossissent 1000 affluents, la migration des caribous va faire converger des centaines de milliers de cervidés vers les forêts de conifères, où s'étalent, plus abondants qu'ailleurs, les lichens et les mousses dont ils se nourriront tout l'hiver. C'est tout un peuple qui s'avance bientôt et s'élance dans la foulée des pionniers. Des montagnes et des falaises, des rivières et des torrents, des glaciers et pentes neigeuses. La nature fera tout pour arrêter les marcheurs. Bientôt viendront les tempêtes et les avalanches, le blizzard et la nuit, la peur et la faim. Nombreux sont ceux qui meurent, et plus nombreux encore ceux qui survivent. Ils reviendront à la saison prochaine pour un nouveau voyage, car c'est sur ce continent où est née la civilisation industrielle la plus développée du monde que s'étendent à l'infini des espaces sauvages préservés. Ainsi qu'aux origines du monde, rien n'y meurt, ni ne s'y perd. Au dernier instant de chaque chose, conformément aux croyances des peuples autochtones, il n'y a qu'un échange. Une vie contre une autre. Une matière contre une énergie. Un souffle contre une âme.